Donc là, nous sommes bel et bien au cimetière de la Courneuve. On a dit que c'est au fond là-bas. Ah, moi je me demande, mais ici, non, moi je veux marcher. C'est un peu loin là-bas, ils ont dit. Non, ici, ce n'est que le corbillard. Sinon, c'est devant là-bas. 20 minutes à pied. Oui, oui. Celui qui fait passer les véhicules, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de l'environnement. Oui, c'est au fond là. C'est où? C'est là ou là? Le monsieur a dit qu'il fallait rentrer avec les voitures. Ouais. Je ne sais pas si c'est ici, mais cependant il a dit c'est 20 minutes à pied. Oui, oui, c'est le chauffeur du Corbia qui l'a dit. Attendez.
On peut identifier qui? Il y avait un monsieur là qui m'a demandé. C'était à qui t'a demandé quoi? Qui ne voyait pas la vidéo. Je ne sais pas si c'était à quoi, je ne sais pas. Et pourtant la page est ouverte. Hein? Oui, oui. Ça soit direct que je suis sur son page. Ah, d'accord. Oui, bienvenue. C'est bon, non? Ouais, ok. Bon. Et là, on est en train d'arriver là. Apparemment, il descend déjà le corps. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Thank you.
te plaît, arrange-toi ton chant là. Voilà.
Mes chers parents, notre Mimi va se reposer ici. Tout à l'heure, on ira juste à côté où Mimi va se reposer. S'il y a un petit témoignage, alors c'est le moment parce que nous allons encore faire une petite animation. Parce qu'il y aura 10 minutes de prière qu'on m'a demandé qu'on va faire là-bas. Est-ce qu'il y a un petit témoignage? Est-ce que Mimi était dans une association qu'on appelait l'association Banazando? Est-ce que la présidente est là? Est-ce qu'elle a un mot à dire? Après tout, Mimi est partie. On ne la reverra plus. Est-ce qu'il y a un mot qui a été prévu pour notre association Banazando? Est-ce qu'il y a un mot? La présidente, s'il vous plaît. S'il y a un mot, venez voir ici, belle présidente. Venez nous dire juste un mot pour notre Mimi, parce que Mimi est partie. On ne la reverra plus. Présidente Pizawa. Voilà, la présidente ne peut pas, parce que ce n'est pas facile. Elle a perdu son bras droit. Dans notre association, c'était elle. C'était notre bras droit de notre association, Mimi, qui est partie là. Mimi est venue quand j'ai fait mon anniversaire, 70 ans. Elle était là. C'est elle qui a fait les entrées. Mimi, alors qu'il y avait le Covid, elle a bravé, elle est venue. Elle est venue fêter avec moi là-bas, dans la salle. Merci Mimi. Merci Mimi, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux? Mimi, c'est une grande dame. Alors, avant qu'on puisse encore écouter une petite chanson, parce que les amis vont encore faire une animation pour leur sœur, on peut quand même applaudir notre sœur Mimi qui est partie. Merci, maman. Merci. Merci. Elle le mérite. Alors, on va écouter une chanson que nous connaissons tous. Je vais juste faire une petite animation parce qu'après, on ira de l'autre côté. Merci. Merci. Exclusivité, pompe funèbre, Tati, à Paris. Aïe, aïe.
Yeah.
funèbre tati à Paris. Merci ba maman, merci. Ma soeur, Mimi Mekwenda, on ne la reverra plus. Les enfants, maman est là, on va descendre maman tout à l'heure. Mais si nous sommes venus ici pour pleurer Mimi, pour dire au revoir à Mimi pour la dernière fois, parce qu'on ne verra plus notre Mimi. On aimait Mimi quand elle s'habillait. Vous avez vu comment elle était quand elle venait dans les fêtes. C'était notre modèle. Les cheveux, les couleurs, elle connaissait. Alors, ba maman, on va dire encore Mimi une bonne animation pour Mimi. Parce que Mimi s'en va. Dans quelques instants, je vais prendre Mimi, je vais l'amener ici pour la descendre. On ne verra plus notre Mimi. Merci. Merci. Mes chers parents, s'il vous plaît, nous allons bientôt prendre notre Mimi pour l'amener de l'autre côté. Mes chers parents, vous restez un peu ici et vous attendez qu'on puisse déposer Mimi. Ne marchez pas sur les tombes qui sont juste à côté, s'il vous plaît. Nous aussi, on n'aimerait pas qu'on marche sur la tombe de notre Mimi. Attention, les tombes sont fragiles. Ne marchez pas dessus. Merci. Merci. Vas-y. Aïe, mais bon, c'est que la coiffeuse, j'en ai encore vu. Oh, mais bon, c'est
Le président Maxon, il y a pas de chimique, ou pas là, normal, merci. Une fois encore, Michel Parent, s'il vous plaît.
écarté ou un petit peu, ne marchez pas sur les tombes parce que ces tombes sont fragiles. Merci. Nous allons maintenant écouter notre homme de Dieu qui est ici. Mettons-nous à nouveau en présence du Seigneur. On dit demain, on dit plus tard. Et si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions donc Yamimi, Mimi, maman Mimi, au Seigneur, confions son âme, confions sa vie, confions-lui sa vie dans son éternité. Nous reprendrons ensemble. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur, à notre mère, à notre tante, à notre ami. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Yamimi, Mimi, maman Mimi, dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-la à la table de ton royaume. Nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance. Nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, tu as recréé dans les eaux du baptême les hommes que la mort retenait captifs. Tu as voulu que Jésus-Christ, notre Seigneur, brise les portes des enfers, délivre ceux qui attendaient sa venue et ressuscite-les pour notre salut. Regarde maintenant cette tombe. Que ta servante, dans laquelle ta servante va reposer en paix, attendant le jour de ton jugement et la résurrection de tous les saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre épouse, grande sœur, sœur, maman et amie, Yamimi, repose dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Nous allons maintenant commencer la descente de notre Mimi. Si nous sommes prêts, on peut descendre. Nous avons nos quatre porteurs. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut tenir la corde symboliquement? Sinon, nous allons le faire nous-mêmes.
pouvez, alors venez par ici. Merci. Alors, venez par ici, papa. Venez par ici. Voilà. Restez là. Viens là. Est-ce que quelqu'un de la famille veut tenir? Alors, viens là. Je vais te guider comment faire. Voilà. Quelqu'un de la famille veut faire? Alors, attendez. Abou, attends. Attendez, papa. Papa, fais passer. Voilà, ne marchez pas là, venez par ici. Voilà, ici. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire? Ou nous avons nous-mêmes, on peut faire nous-mêmes. Alors, venez. Ah, quitte-là. Vous allez écouter ce que je vais vous dire. Voilà, prenez la corde, s'il vous plaît. Merci. Ne vous écartez pas du cercueil. Vous avancez comme ça, d'accord. Ok, d'accord. Attention, c'est pas comme ça qu'on tient la corde. Tenez comme ça, voilà. Non, pas comme ça. Vous lancez le bras, voilà. Comme ça, voilà, ok. Nous allons lever, et quand vous allez lever, c'est eux qui vont d'abord descendre. Vous vous levez, d'accord. On peut commencer, attendez, avant de commencer, on va écouter notre chanson, s'il vous plaît. Merci. Deux chants, d'accord. Alors, vas-y. Vingle fumwe, vingle mbongwa kwetate. Ale mkutu kangilingas te isake fumwe. Ambati tial wotubwa kbonti men zambie. Kobli mbuli somlia mutial tiak kinene fumo fumo. Vingle fumwe, vingle mbongwa kwetate. Ale mbutu kangilingas te isake fumo. Kasiri biliyami neveki li zapsye fumwe. Ili sumliyam lika ilifunduzi amye fumo, fumo. Vengule fumwe, vengule mbongwa kwe tate. Ale mbutu kangilingazde isake fumo. Muli sumliyami onje nje toli balukulie fumwe. Il y a des fumes, ma cliamine, vanxie, fumo, fumo. Vengle, fumwe, vengle, bongwa, kwe, tate. Ale, mbuto, kanglingas, te, isake, fumo. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, croiser d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pain, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Merci. Mes chers parents, alors je vais simplement tous vous demander, pas tous, ceux qui sont. Voilà, tu es ici, voilà, tu restes là. D'accord? Voilà. Ah, qui est la fleur? Attends, c'est pas grave. Laisse.
Voilà, toi tu vas te mettre comme ça. Tu vas te tourner comme ça. Pour l'instant. Pardon, excuse-moi. Papa, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà, papa. Nous allons tous vous demander, tous ceux qui sont là-bas, de faire le tour pour laisser la place à papa, aux enfants, de commencer pour déposer une pétale et ils vont passer, ils vont faire le tour. Je vous en prie. Merci. Merci, papa. Merci. Attendez, 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 attendez. Merci, papa, viens. T'inquiète là, t'inquiète là. Tu n'es pas de la famille. Viens. Voilà, voilà, voilà. Restez là. Ok, on peut commencer. Maman, le tour. Vous tous, s'il vous plaît. Mes parents, vous allez faire le tour. D'accord? Ok, vous laissez le chemin pour que ceux qui sont là, quand ils vont déposer, ils vont venir par là. Merci. On y va. On va écouter la chanson. Au revoir. Et nous allons partir. Merci.
Thank you.
Nazana caméra professionnelle. Oui, vous savez. Merci. Quant à nous, les membres de l'association Banazandou, on se dit que nous allons nous retrouver tous dans la salle là-bas. Bon, donc c'est comme vous avez constaté, là c'est la fin de la cérémonie. La fin de la cérémonie. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez dire un petit mot par rapport à la cérémonie qui vient de se terminer. Le temps est passé.
S'il vous plaît, qui peut dire un petit mot par rapport à la cérémonie qui s'est déroulée pour... Oui, madame là. Elle peut dire. Ah. Non, moi je suis là. Elle peut parler. Donc tous, s'il vous plaît, dites un mot par rapport à la sœur Mimi qu'on vient de déposer. Quel souvenir, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? S'il vous plaît. Très cher. Mais oui, vous regardez. J'ai travaillé, j'ai fini à 15h, j'arrive ici à 16h. Le président Tati, il a essayé de rallonger pour que je puisse te voir jusqu'à la dernière seconde. Je suis arrivé. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire, ma chérie. Toi, c'est misère, moi aussi, c'est misère. Mais vas-y. Toi, tu avances avant nous, mais tu as laissé un gros chagrin ici, un très gros, gros chagrin. Nous tous, nous sommes malades. Parce que normalement, quand on fait des enfants, on doit vieillir au moins jusqu'à 80 ans et après on peut partir. Mais partir très tôt comme ça, c'est, j'ai le cœur serré, hein, très serré. Bon, allez. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, bonjour. Vous pouvez dire un mot par rapport à la sœur Mimi, la pauvre, qu'on vient de déposer, s'il vous plaît? Oui, moi je suis comme son petit frère. Et vraiment, je suis très touché et très malheureux. Parce que c'était une grande sœur pour moi qui savait réunir les gens. Elle savait réunir la famille, elle savait créer l'ambiance dans la famille. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, on appelait et on participait. Et là, vraiment, je suis très malheureux d'avoir perdu une grande sœur comme elle. Mais bon, ici dans la vie, c'est Dieu qui s'est content. Nous, on ne peut que pleurer. Je demande à ma famille d'être consolée par notre Seigneur. Merci. S'il vous plaît, je vais dire un tout petit mot par rapport à la cérémonie qui s'est passée pour Mimi, s'il vous plaît. Vous êtes suivi, monsieur. Un souvenir par rapport au moment que vous avez eu votre vécu. Avec la pauvre, qu'est-ce que vous avez pu... Ah oui, franchement, ça a été une tragédie, vraiment. C'est vraiment très mal. Parlez fort. Une douleur, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Ouais, on va nous entendre. Elle nous a surpris. Elle est partie. Et la beauté. Très bon. Masque, oui. Ah, mais je peux parler plus. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça a été vraiment
Voilà. On est parti sur un peu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui donne et il a rempli les mots me manquent. Et je ne peux que lui souhaiter franchement un bon temps et que la terre soit légère. Voilà. Merci. Bien ça, pasteur. Merci. Non, moi je n'aime pas les caméras. Si. Oh, ça c'est un doyen. Vais zone tête moi mambo. Bon ben, comme vous avez constaté, donc c'est ici que se termine l'enterrement. Donc il y aura une suite pour le 45e jour. Donc voilà. Merci. Merci.